la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Quelle belle fête de mon temps d'appeler la fête Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement, fête du corps et du sang du Christ. Une façon peut-être de réveiller en nous ce désir, le désir de la rencontre avec le Seigneur. Joie parce que nous avons nos amis scouts qui se préparent à partir en camp. Et donc, nous allons aussi les porter dans la prière pour que ce soit aussi des moments de rencontre, de fraternité. Au début de l'Eucharistie, nous allons nous tourner vers le Seigneur qui est riche en miséricorde. Nous avons confiance en son pardon.
le Seigneur. Tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père pour l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ce commandement? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes pères, le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant. Pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche à la pluie. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul corps. Parole du Seigneur.
ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux : Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Ce pain qui est sa chair procure la vie éternelle.
résurrection. Ainsi, la première grâce de l'Eucharistie, c'est la vie. Dès maintenant, ce pain que je reçois, ce corps du Seigneur, dès maintenant ce pain me divinise progressivement. Mieux, il me transfigure. Comme dirait le curé d'Ars, on devrait voir le Christ transparaître sur nos poitrines et nos visages. C'est dire que la communion est la croix aussi de notre union au Christ. Il s'agit de cette intimité, de cette intériorité avec notre Seigneur. Il mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Comme je le disais lors de la fête de la Trinité, le corps du Christ accroît, renouvelle cette vie de grâce qu'on a reçue le jour de notre baptême. Ce corps livré, ce sang versé ne peuvent que nous purifier. L'Eucharistie nous conforte dans le combat spirituel. Oui, quand vous recevez le corps et le sang du Seigneur, vous recevez l'amour. Et nous sommes appelés à partager cet amour. Comme le disent nos pères dans la foi, l'Eucharistie construit l'Église. La communion renouvelle. Elle fortifie notre incorporation à l'Église, comme vient de le rappeler saint Paul. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul pain, car nous avons tous part à un seul pain. Comme il est triste parfois de voir que l'Eucharistie peut devenir source de division dans l'Église, mais parfois même chez les catholiques. Une liturgie bien célébrée, une communion profonde entre le prêtre et l'assemblée ne peuvent que nourrir nos vies spirituelles. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus les aspects compromettants de l'Eucharistie. C'est-à-dire, vous allez recevoir l'amour, mais cet amour reçu, il faut le partager. Le partager avec les beaucoup. Il va falloir annoncer cette bonne nouvelle. Oui, il faut toute une vie pour entrer dans un tel mystère. Toute une vie pour se perdre dans ce mystère et pour y demeurer. Ne nous privons surtout pas de cette grâce. Moi, je suis sûr que vous avez le désir, tous, d'être comme Dieu. C'est notre désir qui nous habite. On veut tous être comme Dieu, mais alors, je vais te recevoir le corps du Christ. Alors vous serez comme Dieu. Vous ne prendrez pas la place de Dieu, mais vous serez comme Dieu. Donc, ne vous fatiguez pas. Mettez-vous à la suite du Christ. Ou comme le disait le grand saint Augustin, là, dans notre Église, devenez ce que vous recevez. Oui, devenez ce corps du Seigneur. Et si vous êtes vraiment ce corps,
et confiance, nous allons présenter nos intentions au Seigneur. Amen.
s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfait amour. Quand tes fidèles communiquent à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille même, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous sommes aussi. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent tant que nous et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Donne à ses disciples en disant, prenez et mangez.
sa passion triomphante, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde et t'en prie l'oblation de ton Église et t'aide à reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert au sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans ce monde entier, le salut et la paix. Affermis dans l'Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, François, et notre évêque, Laurent, l'ensemble des évêques et prêtres des diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu raisonner devant toi. Dans ta miséricorde, remets à toi, Père Frère, tes époux, tous tes enfants dispersés. Toi qui viserais pour les siècles des siècles, et que la paix
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité et que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je t'invite à emporter la feuille de liturgie. Je me rappelle que cet après-midi, à 16h, il y a les dimanches musicaux. Nous accueillons Jean qui vous. Et cette semaine, nous avons une très belle exposition d'art floral, l'art du bouquet, qui sera autour de notre sainte Marie Madeleine. Voilà, je voudrais vous dire la joie d'avoir notre jeunesse au scout ici. Donne de la force. Voilà, merci aussi à votre aumônier de vous accompagner. Un prêtre aussi, que vous n'avez pas entendu parce qu'il ne parle pas le français, comme moi je ne parle pas le péruvien. Enfin, il vient du Pérou. Et donc, il est venu en Pérou. Ah oui, il vient des États-Unis, mais il est d'abord péruvien. J'entends déjà le père Brienne qui lance un enchant. Terrible. Oh là 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 là. Il vit, il est exilé. Il est exilé aux États-Unis. Bon, ben, en tout cas, merci Gabriel d'être là aussi, de tenir. Voilà. Bon, ben, je vais vous donner maintenant cette bénédiction. Et nos amis scouts, vous vous retrouvez après rue Tronchet. Je crois que vous vous retrouvez rue Tronchet. Donc, vous allez faire une belle procession. La vitalité de la matière. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu puisse vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.